Apprivoiser son corps, explorer le mouvement. Une quinzaine de jeunes en situation de handicap mental participent à un projet de danse inclusive. Les éducatrices de l'Institut médico-éducatif de Fourvière ont fait appel aux danseurs de la compagnie voltaïque. Allez, on repart. Il ne faut pas se coller. Normalement, si j'ouvre un peu les bras, je ne touche pas les copains et copines à côté. Lors des premiers ateliers, certains étaient timides, inquiets. Pas à pas, tous ont gagné en confiance. Ça me plaît tellement beaucoup et ça me souffle un peu du cœur. J'aime bien la danse, ça fait du sport et ça bouge un peu. Ça, je bouge jamais. 15 ateliers avec des danseurs professionnels, c'est une expérience inédite. Le chorégraphe les a bien observés, a su jouer avec leur extrême concentration. De leur curiosité est venu un intérêt, une ambition, et maintenant ils y sont habitués. Donc c'est surtout cet investissement qui est né assez rapidement. C'est ça mon étonnement. Donc à partir de là, j'étais rassuré, je me suis dit, j'ai fait comme je fais avec mes danseurs, avec mes élèves, avec tout le monde. C'est un public qui est particulier parce que pas spécialement à l'aise avec la communication verbale. Et là, l'enjeu du corps prend tout son sens en fait dans ce projet-là parce que c'est inné en fait. Enfin, il y a quelque chose d'instinctif qui se passe et c'est juste magique en fait de pouvoir aller voir bouger comme ça. Tu vas marcher autour du groupe, tout le groupe va te tout regarder. Simplement danser. Se laisser porter par l'énergie et la bienveillance des adultes. Et arrivé là, on le descend doucement. Je me sens plus à l'aise vu qu'on a des gens qu'on apprécie beaucoup et qu'on se sent soutenu en fait ici. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien. C'est mon rêve, faire une danse. En juin, les jeunes présenteront leur chorégraphie devant les familles avec la fierté d'avoir trouvé leur place. Votre édition locale est terminée. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre édition régionale. Quant à nous, on se retrouve mardi.